devant la face de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a fait grâce de te tenir devant lui, bien-aimé, que ton âme le loue, Amen. Que ton âme l'exalte, Amen. Que ton âme le célèbre Amen. Aussi. Alléluia. Amen. Parce que l'homme n'est pas seulement corps. Alléluia. Amen. L'homme, ce n'est pas seulement cette caricature-là. Alléluia. Amen. L'homme, c'est aussi le contenu. Amen. Et le contenu, ce n'est pas nos intestins. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le foie. Ce n'est pas l'estomac. Alléluia. Amen. Le contenu, c'est l'âme. Amen. Alléluia. Amen. Le sang qui circule en toi, bien-aimé. Et ça ne s'arrête pas là. C'est aussi l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Qui vient animer le corps et l'âme. Alléluia. Parce que sans l'esprit, bien aimé, le corps ni l'âme ne peut se mouvoir. À la création, Dieu, après qu'il ait fait l'homme, tiré de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Et il a répandu en lui, placé en lui, je dirais, son âme. Amen. Avait résolu, bon, que cette créature, alléluia, puisse se mouvoir, puisse se déplacer, alléluia, puisse exprimer la raison pour laquelle Dieu l'avait faite. Alléluia. C'est pourquoi, restons un instant, le Seigneur s'est dit non, il fallait que je vienne souffler dans ses narines. Alléluia. Amen. Il fallait que je vienne m'introduire en lui. Alléluia. Amen. Par mon propre souffle. Alléluia. Amen. Par ma propre identité. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons l'homme à notre image. Amen. C'est à ce moment-là que l'homme commence à prendre la nature de Dieu. L'esprit. Alléluia. Amen. Qui est rentré. Alléluia. Et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Amen. Ce matin, quand on dit on ne sera pas dans, on fait le Saint-Jean de Saint-Cyril. Alléluia. Amen. 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 C'est beau de parler de la part du Seigneur. Amen. Je me souviens, l'apôtre Paul, un jour, il s'est mis à parler. Alléluia. Il ne se rendait pas compte qu'il était déjà minuit. L'heure était déjà avancée. Il continuait toujours à parler. Et quand il parlait, alléluia, l'un de ceux qui était en train d'écouter la voix de Dieu a commencé à somnoler. Alléluia. Amen. Commencé à dormir. Si on était à notre époque, on allait dire alléluia. Amen. Ah, c'est un démon. Alléluia. Amen. Vous allez sentir, il y aurait que le corps à un moment doit réclamer. Ça part. Il est autre que la fatigue. La fatigue va inonder. Alléluia, Amen. Et on va perdre l'équilibre. Ce bien-aimé avait choisi la mauvaise posture, le mauvais endroit pour poser ou se poser. Ils étaient d'abord à un niveau élevé, alléluia, et il va se placer à la fenêtre. Pour lui faire arrêter, alléluia, a commis Bonimba, alléluia, somnolé. Et jusqu'à ce que il a pris l'envol. Alléluia. Amen. Au lieu de monter, l'avion monte. Puis lui, il a commencé par la question. Vous savez, quand l'avion fait un crash, c'est ça des catastrophes. Amen. Ce dernier a fini par payer la mort quand il est tombé. Gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est qui est en train d'être libéré. La parole de Dieu, alléluia, c'est aussi une vie. Amen. Alléluia. Amen. Et parce que c'est lui qui libérait la pensée de Dieu, portait en lui la vie, il est venu, il a prié, et ce garçon s'est relevé. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la parole que nous écoutons, bien aimé, alléluia, Amen. Nous donne quelque chose que le monde ne peut pas nous accorder. Amen. La parole est vie. Amen. Si quand tu t'approches de l'Éternel, tu viens dans l'attitude de venir recevoir la vie de Jésus, au moins de sa parole, tu es béni. Alléluia. Amen. Ça vient d'abord de ta position, comment est-ce que tu t'approches de l'Éternel. Amen. 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 Notre terme de ce matin, tu peux noter vraiment que Dieu le fasse grâce, parce qu'après, nous aurons certaines choses à faire. Alléluia. Amen.
qu'aucun ne périsse, le veut le Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'aucun ne périsse, le veut le Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'aucun ne périsse, le veut le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans l'épître de Paul, de Pierre Pardante. Alléluia. Amen. Celui à qui Dieu a remis l'écrit de l'Église. Alléluia. Amen. Avant d'ouvrir dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 3, alléluia, et verset 9. 2 Pierre 3, verset 9, alléluia, comment faisons les efforts pour avoir des fois de nous dire ce qui peut nous dire. Et nos Bibles, ceux qui peuvent les ouvrir. Alléluia. Épître de Pierre, chapitre 3, et verset 9. Je vais donc lire au nom de Jésus-Christ. Souvent, je vais rester assis, je vais rester assis. Que Dieu soit loué. Alléluia. Écrit dans cette portion d'Écriture. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire à notre Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien saisi cette bonté de l'éternel ce matin? Amen. Alléluia. Je vais encore le relire. Amen. Amen. Que tous ensemble, nous puissions plonger totalement nos regards dans ce qui est révélé ce matin. Alléluia. Amen. C'est vrai que devant vous, il y a quelqu'un qui parle. Ne me regardez pas en tant que personne physique. Alléluia. Amen. Et plutôt ayez les regards vers celui qui peut tout. Amen. Alléluia. Et qui, je le crois, se révèle à tous ce matin, y compris à moi. Alléluia. Au travers de ce passage de 2 Pierre, chapitre 3, et verset 9. Alléluia. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Nous voulons pas qu'aucun périsse et voulons que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. Lors de son train de lire ce passage, je me sentais bien. Si quelqu'un sait interpréter, n'a pas se prononcer dans les jours à venir. Alléluia. Pour une bonne solution. Amen. Amen. Parce que tout certainement, ils vont à la langue et ceux qui viendront. De ne pas saisir le français. Alléluia. Mm-hmm. Si tu vas prêcher chez les Pygmées là-bas, tu ne vas pas aller prêcher en français. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Si tu vas dans un pays où la langue française n'est pas reconnue, n'est pas parlée, tu dois te servir d'un interprète. Amen. Hein? Mm-hmm. Alors, ça n'est pas dit que parce que tous nous sommes colonisés par les français, nous parlons tous le français. Alléluia. Mm-hmm. Non. Amen. Nous écoutons tous le français. Amen. Mm-hmm. Que Dieu soit loué. S'il y a quelqu'un qui peut nous servir pour la gloire de Dieu d'interprète, n'hésite pas à te prononcer, même après ce message. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Alléluia. Mm-hmm. Oui, bien-aimé, je ne veux pas ici séparer la parole du Seigneur. Amen. Mm-hmm. Je vais prendre ce qui cadre avec notre thème de ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia, aucun ne périsse. Alléluia, le veut le Seigneur. Alléluia. La volonté de Dieu pour son peuple. Alléluia. Et que nul ne périsse.
que l'île ne meure. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas de notre destruction. Dieu ne veut pas de notre mort. Dieu ne veut pas, alléluia, alléluia, de notre disparition. Alléluia. Ici, la mort dont il s'agit n'est pas la mort physique. Alléluia. On va faire tout court. Amen. Hein? Ce n'est pas de la mort physique que nous parlons, que le Seigneur est en train de nous révéler. Alléluia. Quand on parle de périr, de mourir, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu, en tant que personne physique, que tu meurs. Alléluia. Et Abraham sont morts. Alléluia. Les Josué sont morts. Alléluia. Les Paul sont morts. Alléluia. Les Pierre sont morts. Alléluia. Les Esaïe sont morts. Et même des morts par des morts atroces. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que les chrétiens doivent forcément mourir comme un prince. Alléluia. C'est dit loup pour moi, c'est goût. Il n'y a pas de loup pour vous qui est levé. Alléluia. Tu peux mourir par crash. Amen. Hein? Alléluia. Je ne suis pas en train de prêcher la mort ici, loin de la pensée de quelqu'un. Alléluia. Je suis en train de présenter ce que le Seigneur veut que toi et moi nous comprenions. Alléluia. Tu peux mourir par maladie, selon qu'il Dieu l'aurait voulu. Alléluia. S'il le permet. Comme il avait dit à Job, alléluia, va, mais ne détruis pas sa vie. Alléluia, ne le tue pas. Alléluia, parce que la permission revient à Dieu seul. C'est pourquoi pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Amen. Tant que tu n'as pas encore fermé les yeux, j'ai le message que le miracle est encore possible. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que le Dieu que nous élevons, que nous vénérons, n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Aussi longtemps que tu peux vivre et vivre, bien aimé, l'impossible peut devenir possible. Alléluia. Amen. 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 Douter, alléluia, de ta destinée. Amen. Alléluia, le but du chemin. Ne regarde pas au présent, ne regarde pas à ce qui peut influencer ta vue. Alléluia, amen. Aussi longtemps que Dieu te garde debout, quelque chose peut arriver. Amen. Alléluia. Amen. Et je déclare que ce qui va arriver sera plus grand que tu l'aurais imaginé. Amen. Alléluia. Amen. La foi est faite dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous comprenons bien aimé que ce n'est pas de la mort physique ici qu'il s'agit. Alléluia. Amen. À l'exception de notre Seigneur Jésus-Christ qui dans la nouvelle alliance nous a démontré que alléluia. Il était au-dessus de la mort. Alléluia. On n'a pas vu le corps de Jésus. Alléluia. Parce que son corps était revêtu de gloire. Il est monté tel qu'il était venu. Alléluia. Il est né d'une femme, il a pris sa chair et tout, il s'en est allé. Alléluia. Il nous a révélé que c'est de la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Alléluia. Amen. C'est pour dire quand Jésus va revenir, Jésus ne reviendra pas comme étant âme. Alléluia, je ne reviendrai pas comme étant esprit. Alléluia. Amen. 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 Et quand tu viens à l'église, tu dois savoir que Dieu existe, que Dieu est esprit. Et quand Jésus va revenir, il va encore revenir comme un esprit. Alléluia. Tout œil le verra. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais cela? C'est pour dire que tu auras en face de toi un Jésus physique. Amen. Alléluia. Il va paraître dans les airs et tout le monde va le voir. Alléluia, ça ne sera pas bon, non. Il faut d'abord louer, il faut d'abord rentrer dans l'extase. Je suis en train de voir. Après, je vois. Vérité. C'est vrai. Alléluia. Et quand on te dit même, qu'est-ce que tu as vu? Comment t'as cherché? Alléluia. Amen. Ça sera physiquement, ça sera visiblement comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Quand il est apparu aux disciples, ce jour-là, ce n'est pas en esprit. De mort qu'il était. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Viens l'un de ces disciples-là. Et le courageux et courageux. Alléluia. Amen. Viens à t'aimer à Soukali. Alléluia. Il dit, dites tout ce que vous pouvez dire.
Alléluia. Non. Vous savez, Dieu aime des gens comme ça. Vous savez de qui s'agit? Thomas. Alléluia. Qui s'appelle Thomas. Parfois, c'est bien. Alléluia. Bon amour, là. Boulot, on a vu. Pas de la famille. Alléluia. Pas de la famille. Allez, le bandage, on dit. Vous n'êtes pas bon. 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 Comme un virage est le 29. Alléluia. Attends, pisse, mon côté, putain. Alléluia. Amen. Parce que ça va, pisse, les balles. Donc, c'est très tôt vers. Moi, je cherche aussi une femme. Tu n'as pas trouvé ici. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'amuser. Amen. Et voilà, le désespoir commence à rentrer. Non, il ne s'agit pas de cela. Amen. Amen. Thomas a dit, je dois voir. Alléluia. Je dois voir. Seigneur, donne-moi à voir. Et Dieu a dit, Jésus a dit, ça ce sont les lieux, là où ils sont passés. Alléluia. Les pointes. Amen. C'est ici qu'on a tapé. Il est faux ce que m'a dit Dieu. Non, tout le monde est là, il m'a dit. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va dans mon livre. Alléluia. Non, pour la Simba. Alléluia. Si je ne touche pas, non. Alléluia. Je dois toucher. Si c'est lui, viens, touche. Alléluia. Il est venu. Il a enfoncé son doigt là où il y avait la pointe de dépassé. Il dit, le voilà. Alléluia. C'est toi. Alléluia. Amen. C'est toi. C'est vrai que heureux ceux qui ont pris sans avoir vu. Alléluia. C'est encore plus excellent, encore plus meilleur. Toi qui aujourd'hui espères, qui crois que Dieu va te donner ce pourquoi tu t'attends. Sois heureux, simplement. Amen. La bonne nouvelle, je te dis ce matin, sois heureux. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sois pas introduit comme ce Thomas. Alléluia. Je l'aime bien. Parce qu'il n'est pas le seul. Alléluia. Gédéon aussi a dit ça. Ils sont nombreux dans la parole de Dieu. Alléluia. Il dit non, il est mal. Qui sait? Peut-être que tu es un démon. Alléluia. Peut-être que tu es quelqu'un qui a envoyé ce séjour de Oudou là. C'est pour quand tu vois dans la vision un ange venir vers toi. Et les mecs sont pas pressés de dire Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas pressé. Tellement que nous sommes des bons prieurs. Alléluia. Tu reçois un message directement. Dieu m'a dit. Il t'a dit que c'est Dieu qui est venu vers toi. Ah, c'est ça. Alléluia. Qui t'a dit que c'est Dieu? Même Moïse. Alléluia. Et dit non, la mission là est compliquée. Qui me dit que c'est toi qui m'envoies? Alléluia. Amen. Aujourd'hui les chrétiens c'est bien, c'est une bonne chose. D'être aussi courageux parce que nous devons être les courageux. Alléluia. Mais aussi les téméraires. Alléluia. Seigneur tu m'envoies. Alléluia. Et qu'est-ce qui a prouvé que c'est toi qui m'envoies? Alléluia. Jésus a dit voici. Les qui Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu as cru, il fallait que les choses t'accompagnent. Alléluia. On va pisser dans là. Alléluia. Si on n'a pas bien voir, on va essayer de mettre ta main. On ne sait jamais. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia, on ne sait jamais. Amen. Peut-être que ta foi n'est pas encore basée et fondée. Alléluia. Amen. Et en général, la notice, le produit qui convient. Amen. Amen. Je ne pense pas que c'est un tissu, hein. Ce n'est pas de l'eau. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu y croiras, mettras ta foi, tu verras. Tu vas entendre, ça va se tourner de partout.
comme les cloches de l'église catholique. Quand c'est va faire, oui, je n'ai pas sifflé. Il va faire, oui, c'est dans la suite. Alléluia. Amen. Et ça va commencer à te déranger. Ils savent que ce ne serait pas le diable. Amen. Ça annonce quelque chose de bien. Alléluia. Oui, il y a des hommes qui, comme des Thomas, nous ont précédés. Ils ont dit, nous voulons voir. Et je veux voir. Et Jésus a dit, touche. Il a touché. Il a compris que c'était le Seigneur Jésus. Et il a commencé à glorifier et à bénir Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, Dieu ne veut pas que toi et moi puissions périr et mourir. Alléluia. Amen. Autrement dit, il ne veut pas que nos âmes périssent. Alléluia. Amen. Lui dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Ce n'est pas le corps qui pêche, mais l'âme. Or, l'âme est cachée dans... Alléluia. Autrement dit, l'âme est cachée dans le corps. Tu ne peux pas voir l'âme. Nous ne pouvons pas voir l'âme. Seul celui qui a fait l'homme, alléluia, a la capacité de voir l'homme. Alléluia, de voir l'âme de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont aller se cacher. Alléluia. Amen. Et quand Dieu arrive, alléluia, Dieu n'a pas vu le péché dans le corps physique. Alléluia. Amen. Amen. Mais étant reconnu qu'ils étaient aussi des êtres physiques, ils ont commencé à se culpabiliser. Alléluia. Déjà eux-mêmes éloigné leur corps de Dieu. Mais lorsque Dieu arrive, Dieu voit là où était logé réellement le mal. Alléluia. Dans l'âme. C'est pourquoi cette dimension spirituelle dans laquelle ils étaient le jardin d'Éden, alléluia, ne pouvaient plus admettre, alléluia, ce côté qui était déjà souillé, alléluia, spirituellement. Amen. Et voilà comment que Dieu se permet de leur dire, partez, sortez de ma présence. Alléluia. L'âme qui pèse, c'est cette âme-là qui est censée mourir. Or, Dieu qui a fait l'homme, à son image et à sa ressemblance, on ne dirait pas que Dieu a une âme. Alléluia. Non, Dieu est esprit. Alléluia. Nous parlons de la portée de l'esprit. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'âme que Dieu est venu souffler et répondre dans l'homme, c'est plutôt son esprit à lui. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons être plus précis. En faisant comprendre, alléluia, que ce n'est pas le corps là que tu vois qui est censé périr, mais c'est ton âme. Alléluia. Celle pour laquelle Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Comme il nous est révélé dans le livre de Jean chapitre 3, au verset 16. Alléluia. Qui dit, si tu peux ouvrir ta Bible, allons lire. C'est vrai que nous connaissons cela comme des récitations. Mais il est mieux, alléluia, de retrouver cela dans les Écritures. Il déclare que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia, mais qu'ils aient la vie, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Devons donc comprendre ici l'amour du Seigneur à notre égard et que nous ne puissions pas périr. Alléluia. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure, qu'une âme périsse. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. De voir les âmes de ceux qu'il a créés, alléluia, à la perdition, à la mort. Alléluia. Dieu veut que nous ayons de la vie et que cette vie soit en abondance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il nous envoie sa parole. Il nous envoie son message. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est censé, bien aimé, nous rappeler qui nous sommes. Alléluia. Qui est censé nous rappeler notre destinée. Alléluia. Et non, étant fait à l'image de Dieu. Que notre destinée n'est pas une destinée de perdition,
Notre destin n'est pas une destinée d'échec. Alléluia. Amen. Mais notre destin est une destinée de gloire, de succès, d'exploit en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu échoues. C'est pourquoi nous avons tout pleinement en celui que Dieu a envoyé Jésus. Amen. 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 Tout ce dont tu as besoin, tout ce que ton âme a besoin, parce que l'âme est le centre des émotions, des plaisirs, des désirs. Le corps que tu vois là n'est rien. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi on peut amputer les membres. Ça ne va pas t'empêcher d'aimer quelqu'un. Alléluia. Amen. Ça ne va pas t'empêcher d'aimer. Alléluia. Amen. L'esprit n'a pas un bras. Alléluia. Amen. L'âme n'a pas un bras. Amen. On te coupe toutes ces parties-là. Bien aimé, le sang va continuer à circuler. Amen. L'âme aura toujours sa place en toi. Amen. Alléluia. Amen. Les émotions, tu les auras toujours. Les plaisirs, les désirs seront toujours l'actualité. Alléluia. Amen. Donc, quand je tourne, papa dit vraiment, ce monsieur-là, il a trouvé seulement cette femme-là pour aller prendre en mariage. Elle ne vaut même pas. Alléluia. Amen. Et bien aimé, l'âme, les émotions de cette personne s'est tournée vers. Amen. C'est Dieu qui a convaincu ce dernier. Amen. Dieu est venu dans son âme et dit, que tes désirs soient tournés sur la femme. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment cette femme-là a fait? Pour moi, mon Seigneur, mon Amoni, ma garçon, Amoni, Amoni. Alléluia. Ni est locoyo. Alléluia. Comme on a dû le dire. Amen. C'est la chose là. Tu as fait ce que Dieu a créé chose. Amen. Alléluia. Mais si toi tu ne fais pas chose, pourquoi tu n'as profites pas des avantages là? Que la chose là. Amen. Toi tu crois être normal et juste. Pourquoi tu ne prends pas ta place? Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis toujours aux gens de ne désespérer jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas que peut-être que je suis plus laid, plus vilain. Non. Tu ne connais pas qui est le maître des émotions. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qui a la capacité de façonner les émotions dans l'âme de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un Dieu qui est caché dans le secret. Mais, alléluia. Amen. On va dire, oh, tu es vieille, tu es vieux. Alléluia. Amen. Et celui qui dira, ça va comprendre en réalité. Alléluia. Amen. Les sentiments qui se reposent dans la vieillesse. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas voir un jeune. Alléluia, un vieux papa, poussé en âge, va aimer une jeune demoiselle. Alléluia. Amen. Surtout, je vais commencer à les critiquer aussi. C'est pas pour les encourager, hein. Non, je ne les encourage pas. Alléluia, mais je suis en train de te montrer que c'est une portée, une dimension qui est compliquée. Alléluia. Amen. C'est sous contrôle de Dieu. Et quand Dieu veut faire ce qu'il a résolu faire, il fait, il prend tout ce qui est à sa portée. Amen. Alléluia. Amen. Il fait tout selon son bon vouloir. Mais dans tout cela, ce que nous devons retenir ce matin, c'est que la volonté de Dieu n'est pas que toi et moi nous puissions périr. Dieu a donné son Fils pour qu'il nous apporte la vie, pour qu'il nous apporte la lumière, alléluia, Amen. De ce qui peut nous empêcher de parvenir, alléluia, au salut qu'il a prévu, alléluia, en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Le salut dans ce monde est en train de masquer, ce monde est en train de voiler. Alléluia. Amen. Par tout désir et plaisir qu'il nous présente. Le Seigneur ne voudrait pas que toi tu ailles en enfer, que ton âme, alléluia, nos âmes aillent en enfer. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit, si notre parole, notre évangile, alléluia, celui que nous avons reçu, Jésus, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Mais n'est pas reçu dans ce monde, alléluia, il ne l'est pas pour ceux qui sont appelés à la perdition. Alléluia. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile dit, l'apôtre Paul, à l'église de Corinthe, alléluia, est encore voilée, elle est, alléluia, la parole de Dieu, pour ceux
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé sa parole afin que quiconque croit en elle, alléluia, ils aient la vie, mais qu'ils ne périssent point. 2 Corinthiens chapitre 4 et verset 3. Alléluia. Est-ce que tu as retrouvé ce passage? Amen. Je vais te le lire rapidement. 2 Corinthiens 3, 4 ou 2 versets, et verset 3 déclare: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Parce qu'en réalité, l'évangile qui a été donné, le message de Christ qui a été envoyé et donné, n'a pas été donné, alléluia, pour que les gens puissent périr. Alléluia. Ce message a été envoyé pour que les gens qui la reçoivent aient la vie. Alléluia. Quand l'évangile, la vérité de Dieu est annoncée dans la vie d'un homme ou d'une femme, alléluia, elle ne vient pas pour condamner la personne. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne vient pas pour cribler, pour couper la tête de la personne. Mais elle vient dans la vie de cette dernière pour la sauver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais si la personne à qui est annoncée la vérité ne veut pas accepter la vérité, alors cet évangile, ce message, est comme une condamnation pour elle. Alléluia. Amen. Toutefois, lorsque nous rejetons la parole de Dieu, nous nous condamnons nous-mêmes. Amen. Ce n'est pas que Dieu vient nous condamner, non, parce que ce n'est pas sa volonté que toi et moi soyons condamnés. Alléluia. Amen. Le monde nous a condamnés, le diable nous a condamnés. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est venu pour nous justifier. Amen. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi je veux dire dans le livre de Romains qu'il n'y a plus de condamnation de tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu pour ajouter peine sur peine. Alléluia. Amen. Il est venu pour apporter le salut. Il est venu pour apporter la délivrance. Il est venu pour apporter la guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour cela. Amen. Pas pour maudire, mais au contraire pour bénir, pour délivrer les captifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour rendre libres les captifs. Alléluia. Amen. Il est venu pour faire du bien. Parce que c'est ça, c'est sur ça que repose sa mission. Alléluia. Amen. Le salut des âmes. Alléluia. Amen. La délivrance des âmes. Alléluia. Amen. Et qui dit délivrance des âmes, ne dit pas délivrance des âmes à la pauvreté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, bien aimé. Je veux dire quelque chose, que ça ne te choque pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu, non. La délivrance des âmes en ce qui concerne le péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le péché, c'est ce qui nous rend esclaves. Amen. Alléluia. Amen. Esclaves dans la dureté. Esclaves dans la pauvreté. J'aimerais dire d'abord dans la pauvreté, parce que la dureté, ce n'est que le péché. Alléluia. Mmh. Il te rend plutôt, alléluia, esclave du célibat. Alléluia. Mmh. Il te rend esclave de la stérilité. Mmh. Le péché. Alléluia. Mmh. Esclave de la pauvreté, du chômage. Alléluia. Mmh. C'est ça. Ce pourquoi Christ est venu. Il n'est pas venu traiter la situation de ton salaire. Alléluia. Mmh. Alléluia. Mmh. Il est venu pour traiter la situation, alléluia, de notre communion avec Dieu, alléluia, amen, qui est, bien aimé, dérangé, qui est étouffé par le péché. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que le péché ne soit pas présenté comme étant, alléluia, une arme qui convient pour venir te déranger, pour non. Parce qu'aujourd'hui, on dit souvent dans les églises, on dit presque le péché, le péché, le péché. Non. Alléluia. Amen. Regardons cette chose-là, alléluia, dans un contexte où qui vient plutôt nous éclairer. Alléluia. Amen. Que ce n'est pas quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Ça nous sépare de toutes les promesses que Dieu a faites pour nous. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le diable vient, il te propose pour lui maintenant.
Alléluia. Amen. Mais pour que tu reçoives ce qui est du diable, tu dois déshonorer Dieu. Mm-hmm. Alléluia. Amen. Mais pour que tu reçoives ce qui est de Dieu, tu dois obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Mm. La désobéissance, c'est le péché. Mm. Alléluia. Et le diable veut, avant qu'il te donne, que tu te sépares d'abord de ton Seigneur. Mm. Alléluia. Maintenant, dites-moi dans cela, est-ce que le péché est une bonne chose? Mm. Est-ce que le péché est une bonne chose? Non. Alléluia. Amen. Alors qu'on ne dise pas qu'on parle que le péché, on insiste que le péché. Non. Nous insistons dans cette élan pour que le peuple de Dieu comprenne que la volonté de Dieu à l'endroit de son peuple, c'est pas pour que son peuple périsse. Amen. C'est pour que son peuple se réjouisse. Amen. Alléluia. Amen. Pour que son peuple soit dans la joie, dans l'assurance, dans le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui peut nous priver de cela? C'est notre belle manière de vivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre belle manière de vivre. Et mais tu peux bien vivre, sans copier ceux qui vivent mal. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi seulement faire comme les autres et non pas les autres faire? Alléluia, fasse comme nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons toujours tendance à aller vers ce qui est mal. Amen. Tu entends d'abord, on va dire, ah, le but de la vie, madame, c'était vraiment le moissement. C'était une bonne chose. Ils sont en train de dire bon Dieu ici. Alléluia. Mmh. Et toi, quand tu te regardes, eh, ah, il est souillé vraiment. C'est pas la tête quand il y a un qui est pour nous. Il y en a qui donne la bonne voilà, hein. Ah non. Demain, samedi, là-bas, je dois quand même aller un peu. Faire un peu. Alléluia. Amen. Je dois quand même arriver quand même. Ça fait quand même longtemps. Alléluia. Amen. Amen. Et tu entendras pas dire là-bas, dire, ça fait quand même un peu de temps. Moi, je me suis dit, je dois me donner un peu. Tiens là. Pourquoi nous devons seulement suivre? Alléluia. Et non pas que eux viennent vers nous. Amen. Alléluia. Leur évangile paraît être plus puissant que le nôtre. Non. Alléluia. Paul dit si notre évangile est voilé. Alléluia. Si elle n'est pas reçue. Si elle n'est pas, plutôt acceptée. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont tués, c'est pour ceux qui doivent mourir. Alléluia. C'est pour ceux qui, dans l'âme, est condamné, alléluia, à la destruction. Même Judas qui a marché tous les jours avec Jésus a vu les miracles. Alléluia. Mais son âme était déjà condamnée. Alléluia. Je dis la vérité. Tu ne verras jamais Jésus au paradis si tu vas au paradis. Tu vas pas. Plutôt Judas. Excusez-moi. Alléluia. Tu ne verras jamais Judas au paradis si tu vas là-bas. Avant même qu'ils viennent, c'était déjà écrit en blanc, allez, en grand caractère, celui-là est déjà destiné à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que le message de l'enfant, ce n'était pas en lui. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas venu pour que toi et moi nous puissions périr. Il est venu pour que nous ayons cette vie en lui et cette vie de celle qui doit soit en abondance. Alléluia. Comme nous l'avons dit en passant, cette mort-là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le physique. C'est une mort qui exprime Dieu. Alléluia. C'est une mort qui te sépare dans la communion avec ton Dieu. Alléluia. Sinon, alléluia. Qu'est-ce que tu iras faire dans la présence de Dieu? Et Dieu, c'est un Dieu saint. Alléluia. Amen. Autour de lui, il n'y a que gloire de sa sainteté. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas pu supporter la désobéissance de sa sœur de Lucifer. Alléluia. Il avait précipité parce qu'il n'avait plus de place. L'orgueil n'avait plus de place dans le cercle de la divinité de l'Éternel. Alléluia. La jalousie ne pouvait plus avoir sa place. Alléluia. Dieu veut que son peuple, que nous puissions demeurer dans une communion équilibrée. Alléluia. Amen. Pas les uns profiter des autres. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Il veut que son amour s'exprime, se révèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cela ne se focalise pas seulement sur nos lèvres, non. Amen. Alléluia. Mais qu'elle soit palpable et physique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois comprendre ce matin que ta vie, une fois de plus,
est très précieuse aux yeux de celui qui t'a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne voudra et ne veut que de ton bien. Amen. Alléluia. Quand il t'ordonne de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut de ta chute, parce qu'il veut de ta destruction. Non. Il veut au contraire te faire connaître des choses que tu n'as pas rien vu. Et tu n'as pas encore vu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, je vous dis, la vie n'est pas difficile. Amen. Alléluia. Amen. C'est simplement parce que nous avons plus de temps. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement envieux. Alléluia. Nous sommes tellement des convoiteurs. Alléluia. Amen. Que nous ne pouvons pas profiter des promesses de Dieu. On veut vite courir pour avoir. Alléluia. C'est comme si on était même capable de garder, de préserver notre souffle de vie. Alléluia. Amen. Tu peux faire tout ce que tu peux faire pour t'enrichir. Alléluia. Amen. Amen. Une porte peut s'ouvrir de là. Alléluia. À 7 heures. À 6 heures seront là. Alléluia. Amen. À 6 heures seront là. Parce que tu ne vas mettre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne saurais être maître de ta vie. Amen. Le temps est encore devant nous de nous repentir. Alléluia. Amen. Le temps est encore devant nous de quitter ces choses qui nous séparent de Dieu. Et de profiter, alléluia, des promesses de Dieu. De l'amour de Dieu manifeste en la personne de Jésus-Christ à notre âme. Alléluia. Dieu n'est pas venu pour condamner. C'est pourquoi il nous recommande de ne pas juger. Alléluia. Le jugement viendra. Mais avant que ce jugement n'arrive, alléluia, Dieu se retient d'abord. Alléluia. Amen. Dieu regarde. Il n'est pas pressé. Il veut que chacun de nous se réponde. Alléluia. Amen. Afin que la promesse donnée par Jésus-Christ soit notre partage. Alléluia. Amen. C'est aussi grave. C'est aussi choquant d'entendre ces paroles de Paul à l'église de Corinthe. Ici, notre parole, notre message est voilé. Et voilé pour ceux qui périssent. Or, je suis en train de voir, par exemple, ma soeur, ici, là, l'Église, à qui je me vertue de dire, Seigneur, Dieu t'aime, faut donner ta vie, et Dieu te tout, alors que tout ce que je fais, elle ne retient pas. Elle ne comprend rien, elle ne veut pas accepter. Alléluia. Alors que je voudrais la voir un jour avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que demain, en partant, il n'a pas reçu la parole de Dieu, son vivant, ici. Alléluia. Amen. C'est maintenant là, ce n'est pas après. Amen. Après n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Après n'a pas de raison. Amen. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'il faut croire en Jésus. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie en Jésus, à Jésus. C'est maintenant qu'il faut s'attacher à Dieu. Amen. C'est maintenant, pas demain. Amen. Alléluia. Amen. Demain, c'est le jugement. Amen. Alléluia. Amen. Demain, c'est le grand jugement qui viendra. Mais ta vie, c'est maintenant que tu dois la mettre en ordre. N'attends pas que ça vienne demain. C'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Prêchez la parole de Dieu. Parlez de Dieu. Alléluia. Amen. À toute occasion favorable, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Certainement, il y aura quelqu'un, alléluia, qui aurait compris, qui comprendra que Dieu avait fait un grand sacrifice pour lui. Et qu'il acceptera. Il donnera sa vie à Jésus. Et il sera sauvé. Alléluia. Mais le péché, bien aimé, parlant de cela, on nous emmènera à la perdition. À la destruction de notre âme. Alléluia. Amen. Dis ouais, alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de mort qui fait ce que je suis accordé. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un meurt physiquement, il est pour l'immense. C'est pourquoi, je me suis dit, quand j'ai compris et connu le Seigneur, avec le temps, j'ai compris que, il ne faut pas dire paix. Paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, j'ai compris ça. Oh,
Oh, il est bon, Père à son âme. Bien-aimé, Père à son âme, tu as donné ta vie en Jésus. Pour toi, tu as compris que la son âme sont vraies. Alléluia, et Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit pour cette femme? Parce que c'est une dimension qui est réservée qu'à Dieu seul. Seul Dieu sait s'il a été bon ou s'il a été mauvais. Alléluia. Dieu venait d'ouvrir, j'ai un livre de vie dans le ciel, là. Les pages, quand ça va se passer ce jour-là. Il avait sacrifié le fils à ton nom. Même ton premier-né, là, c'est lui qui avait pris. Alléluia. Amen. Ta propre vie, là, c'est lui qui a marché sur ça. Alléluia. Mm-hmm. Il t'avait consacré et dédié au diable, à Satan. Si on te dit, répète encore ce que tu avais dit sur son âme. Tu as dit que son âme, il en est fait. Hein? Tu vas changer de notre jugement. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est le mot régler. Pour toi, qu'on écrit régler éternel. Alléluia. Je réveille donc pourquoi notre frère est passé. On ne sait pas. Ah, si. Si, vraiment, si. Alléluia. Amen. Et Dieu qui sait. Ah, ça. C'est fini. On ne peut plus demander miséricorde. C'est fini. On ne peut plus demander compassion. C'est fini. Alléluia. Amen. C'est fini. Dieu nous a tellement aimés. Il a tout disposé pour que toi, tu ne sois pas en bas, mais que tu sois en haut avec lui. Amen. Dieu ne vient pas pour porter un jugement bas. Il a versé d'abord. À Sodome, il a parlé. Ils ont sorti les corps. Alléluia. À Gomorrhe, ils ont sorti le corps. Alléluia. Du temps de Noé, Dieu avait aussi parlé. Alléluia. Amen. Toujours Dieu. Alléluia. Et cette parole qui était annoncée par Noé, alléluia, pour ce peuple-là a été voilée. Alléluia. Mais comme elle a été voilée, c'était pour leur destruction, leur perte. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu rejettes la parole de Dieu, tu te condamnes toi-même. Tu t'appliques toi-même la condamnation. Combien tu peux croire que tu es riche, tu es bien. Alléluia. Amen. Mais ta condamnation est déjà consommée. Ta perdition, ta mort est déjà consommée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la volonté de Dieu est que sa parole aille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Que sa parole touche jusqu'au fond, au fin fond de la terre. Pour quand lui viendra, qu'il n'y ait pas d'excuse. Qu'il n'y ait pas, oh non, Seigneur, on ne m'avait pas dit ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas qu'il y ait d'excuse devant lui. C'est pourquoi tu as cru en Jésus. Alléluia. Amen. Tu as cru en Jésus. Pourquoi? Parce que ton frère qui est à tes côtés, alléluia, ton voisin qui est à tes côtés n'est pas d'excuse devant le trône du jugement de l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que Dieu avait déjà envoyé quelqu'un lui avertir. Alléluia. Et c'est toi que Dieu a envoyé. C'est nous que Dieu a envoyé. Dans nos familles, c'est nous que Dieu a envoyé. Tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Si tu ne parles pas de ces choses, personne ne viendra parler. Alléluia. Et si le monde de ta famille n'accepte pas, ne reçoit pas cette parole, bien aimé, ce n'est pas moi qui dis. Elle est voilée pour ceux qui périssent. C'est pourquoi prenons le temps d'intercéder, de prier pour nos familles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, touche leur cœur. Amen. Je vais jeûner. Voilà les sujets des jeûnes. Amen. Et prier. Ne jeûne pas pour le travail. Si tu es déjà dans la communion avec Dieu, laisse qu'il le mette des temps. Il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Et tous les besoins. Alléluia. Amen. Toi, fais ta part. Recommande ton sort. Mets ta confiance et va travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que il y a un jugement qui est là. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas que nous travaillions ce jugement, qu'il perde son peuple. Alléluia. Mm-hmm. Que les innocents périssent. Non. C'est notre devoir, Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le bon que tu cherches.
tu as déjà. Amen. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais d'abord? Amen. Alléluia. Allons dans Ecclésiaste 12. Nous allons faire. Je voulais avoir une pensée, l'Éternel. Alléluia. Parce que tout le matin, j'ai cherché. Il s'est insulté, je parle pas. Alléluia. Et cela aide pour quelqu'un, ce passage. Amen. Alléluia. Je vous en donnerai 3, 2 qui disent la même chose. 1 qui est unique. Alléluia. Et puis là, c'est pour nous de verset 15. Et quelqu'un dans la foule, s'il a trouvé, nous donne lecture. Donc, on va apprendre le psaume 133. 113, excusez-moi, j'aime tellement le psaume 133. Le psaume 113, verset 7. Ça aussi, c'est pour quelqu'un ce matin. J'ai dit, c'est pour quelqu'un. Le psaume 113, c'est pour quelqu'un ce matin. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. Alléluia. Qui est proche du psaume 113. Alléluia. Donc, nous avons le psaume 113, le verset 7. Le 1 Samuel, chapitre 2, le verset 8. Ecclésiaste, chapitre 12. Et observe ces commandements. Alléluia. Il va tout que le dit. Alléluia. Réunions Dieu. C'est ce qui nous revient à tous. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas venu pour nous qu'on aime. Il n'est pas venu, il veut de notre bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela est pour toi, cela est pour moi. Mais ça vient particulièrement sur quelqu'un ce matin. Vous savez, quand on jette la maison, on ne retire pas 4 personnes à la fois. Alléluia. Il y a un seul qui est mort. Et si cette parole a mordu à ton âme, bien aimé, alléluia. Amen. Et repends-toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour quelqu'un. Ce oui, gloire à Dieu. C'est tellement Dieu a lancé ce bruit à mes soeurs. Si vous êtes sans, gloire à Dieu. Si c'est tout le monde ici présent, que la gloire revienne à Dieu. Seigneur l'Éternel. Amen. Alléluia. Et observons ces lois. Alléluia. Amen. Amen. Le psaume 113, le verset 7, qui a trouvé déjà, on va lire rapidement. Le psaume 113, le verset 7. Écoutons la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. De la poussière, il retire le pauvre. Alléluia. Du fumier, il relève l'indigent. Amen. Alléluia. De la poussière, il retire le pauvre. Alléluia. Amen. Et du fumier, qui relève l'indigent. 1 Samuel 2, verset 8. Quelqu'un a trouvé. 1 Samuel 2, 8. Nous allons aujourd'hui aussi sur Dieu, parce que nous rendons grâce à Jésus. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un son de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Ces deux pensées qui sont proches. Alléluia. Samuel va encore plus loin. Alléluia. Dieu David. Alléluia. C'est pour quelqu'un ce matin. Seigneur, c'est comme pour tout le monde, mais c'est quelqu'un. Cette parole lui est destinée. De la fumée, il relève. De la poussière. Alléluia. Le faux. Alléluia. Samuel dit que c'est pour les établir. Ce matin, avant de venir à l'église, j'ai cette pensée dans Job 4. Le verset 6, hein, je lis au nom du Seigneur, on va grâce à Dieu.
Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Que Dieu soit béni. Amen. Et te bénisse aussi. Il t'a fait écouter sa voix. Alléluia. Il a dit écoutez la famille du Seigneur. Craignez l'éternel. Amen. Alléluia. C'est pour toi. C'est tellement sur toi. Tu es déjà un appât de te dire à toi-même déjà. Ouais. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui est dans le fond, mais Dieu te dit de craindre. Alléluia. Crains Dieu. Il dit qu'il te met sous la couronne, il t'élève, il t'établit. Alléluia. Et avant que tu arrives à ce stade-là, à ce niveau-là, commence à voir à craindre Dieu. Amen. Commence à réparer avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu parle à son Église. Amen. Dieu parle à son peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il nous veut tellement du bien. Amen. Alléluia. Que toi et moi ne pouvons pas imaginer. Nous croyons que Dieu ne nous aime pas. Nous croyons que Dieu nous envoie la destruction. Alléluia. Amen. Lui-même a dit que le juste va vivre. Amen. Alléluia. Il vivra par la foi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je viens m'arrêter par là. Amen. 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 Et je souhaiterais par la grâce de Dieu pour cette partie que nous avons sautée, peut-être pas oubliée, mais on a sauté. Alléluia. Amen. Pour le simple fait, nous sommes en train de prendre des mauvaises habitudes maintenant. Alléluia. Amen. 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 On parle de l'amour du Seigneur. Nous sommes en train de prendre des mauvaises habitudes. Alléluia. Celle de venir tardivement de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. De vouloir rentrer